Είδα σαν έβδομα ένα όνειρο. Είδα λέει ότι ήμουν πάνω στη σκηνή στο σπίτι μου μέσα. Папа, я тебя люблю. Прощай скорее домой. Anybody in love? I'm in love with all of you. L'année dernière, on a eu une projection gratuite organisée par le Parlement, je pense, de Smoke Sauna Sisterhood, qui était un des films sélectionnés pour l'Award. Et j'ai trouvé que le projet était très intéressant. Et cette année, vers la fin du mois de juin, ma responsable m'a proposé de participer. C'est un projet qui me paraissait très enrichissant. Et puis, rencontrer plein d'acteurs du cinéma européen, c'est une opportunité que je ne pouvais pas rater. J'ai pu du coup rencontrer les 26 autres ambassadeurs du Lux Award et rencontrer des membres du Parlement européen qui jouent un rôle dans justement la promotion du Lux Audience Award. Aussi les réalisateurs des films qui ont été nommés ou une productrice. Parler avec eux, échanger, on a appris énormément de choses sur comment l'Award fonctionne et comment mieux le promouvoir, quel est notre rôle une fois qu'on revient chacun dans notre pays. Et on a aussi appris des techniques pour promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc c'est très nourrissant. Personnellement, je trouverais très intéressant, notamment avec les films qu'on a ici, de toucher un public plus jeune, d'aller vers les écoles vraiment très fort. On a quelques films qui sont vraiment très intéressants pour toucher ce public-là. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à aller vers le public des écoles des plus jeunes. Sinon, c'est toujours intéressant d'avoir des rencontres entre le public et des réalisateurs ou des associations. C'est toujours... Ça mène toujours à des débats très fructueux et très intéressants.